Non. Non, regarde dans ça, là. Fais-tu bien écrit ça, les chiffres en lettres, là? Tout est parfait, papa. Bon. Je vais vite mettre ça à la banque puis faire un chèque à mon tour pour Tidré. Bon, ben, à cette heure, peux-tu t'assis une minute? Ben, pas trop longtemps, papa. T'as des nouvelles? J'ai pas vu hier soir. Mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir, papa. Hein? Quoi donc? Ben, c'est au sujet de cet argent-là là, que vous m'avez passé depuis quelques mois. Une fois, vous m'avez dit, puis je m'en souviens, c'était au début. Ne fais pas de tracas, c'est de l'argent que j'ai fait à rien faire. Ouais. Ouais, vous savez, mais j'ai bien dit ça, ouais. Mais il y a bien des fois que ça m'a trotté dans la tête, ça. J'aimerais bien ça connaître votre recette. Je te comprends. Vois-tu, mon foin-foin, c'est seulement avec de l'argent qu'on fait de l'argent. Ah oui? Ouais. Mais tu peux pas m'expliquer comment? Ben, je vais t'expliquer ça, mais garde ça pour toi. C'est un secret entre nous deux. Personne n'a à y voir. Ah, je vous jure, papa, je vais garder ça pour moi. Bon. Ben, ça faisait pas mal longtemps que je savais que j'avais des valeurs qui languissaient, puis d'autres qui devenaient échues. Puis je cherchais un moyen d'arranger ça pour que ça me rapporte un peu plus. C'était quand la crise a commencé, il n'y a pas longtemps. Mon notaire, lui, il me conseillait l'immeuble. Mais l'immeuble, à mon âge, ça me faisait bien peur. Puis au printemps, le type que le gouvernement a mis les taux d'intérêt bien, bien haut. Ça, c'était pour faire comme aux États-Unis qui avaient commencé ça. T'sais. Alors, j'ai organisé mon affaire pour avoir bien de l'argent libre. De l'argent libre? Mais de l'argent liquide, c'était mieux. Puis j'ai prêté à la banque à 2 mois. Vous avez prêté de l'argent à la banque? Bien sûr. Les billets à 2 mois, c'est ce qui rapportait le plus d'intérêt. Comme j'avais un gros paquet à placer, ils m'ont fait un taux encore plus spécial. Puis c'est cet argent-là que je te passe chaque fois que mes billets viennent échus. Ben, l'intérêt que je t'ai demandé, là, c'est pas gros, mais ça suffit, ça va me suffire pour payer le gouvernement, là, pour payer mes gains de capital. Ah, c'est ça. Tu comprends, il fallait pas que je touche à mon capital à moi. Comme ça, mes héritiers pourront jamais m'en faire leur poche. Il faut que vous en ayez bien de l'argent, mon papa. 87 ans, moi, tu vois. Est-ce que tu vois là, c'est les économies, voyons, ma tante. C'est l'économie de toute une longue vie de travail. Ta grand-mère et moi, là, on n'a jamais eu ben des bouts de grandeur. On était bien dans notre belle grande maison. On ne cherchait pas à la changer. Comprends, tout jeune, moi, j'ai été bien pauvre. Puis ça m'a laissé comme une sorte de peur, de crainte. Fait que je faisais toutes les économies possibles sans priver mon monde. Ça, c'est bien différent. Ici, comme ailleurs, là, les gens veulent avoir des belles maisons avec tout le confort. C'est une autre époque. J'ai rien à dire à ça. C'est vrai, hein? Ça fait pas tellement longtemps que maman a fait moderniser la cuisine puis organiser le salon. Bon, je vous suis bien reconnaissant, mon père, de ce que vous faites pour moi. Mais craignez rien, je vais tout vous régler ça, puis ce sera peut-être pas si long qu'on pense. Mais c'est un peu responsable, tu comprends? C'est moi qui t'ai mis cette idée-là en tête, la mécanique agricole. Fait que c'est normal que je te donne un coup de pouce. Ah, ça, c'est vrai. On peut dire que c'est vous qui m'avez coaxé. Coaxé. On dit pas coaxé, ça se dit pas. On dit convaincu. Je t'ai convaincu. Bon. Convaincu, pépé. Mais dis-moi une chose, toi. Puisque ça va pas si mal, là. Comment ça se fait que t'as l'air, ben, jongleur, je dirais même triste? Non, c'est vrai. On dirait que tout m'arrive à la fois. Non, mais pas tout de suite, là. J'ai pas le temps de vous raconter ça. Vous raconterez ça plus tard, il faut que j'aille ouvrir le garage. Bonne journée. Allô? Allô, c'est moi. Martin? Tu crains pas d'user le téléphone à pitonner dessus de même? Pauvre toi, on s'est parlé hier, juste avant de se coucher. Bon, j'exagère un peu, je le sais. Je voulais te souhaiter le bonjour puis savoir ce que tu faisais. Je lisais mon journal en prenant un petit café à la face de mon pauvre père, comme d'habitude. Je voulais te dire aussi que ton idée de voyage me tourne en tête. Ça me fendrait assez le cœur que tu repartes. J'arrête pas de repenser à ça. Compte-toi pas des peurs, Martin. Il y a rien de fait. Tu le sais. Bon, mais faut que je te laisse là, hein? Je te laisserai pas faire, tu m'entends? Je te laisserai pas faire. Je ne serais pas planté comme ça, comme une nouille. À ce soir, OK? Je t'attends ici. Viens me retrouver. OK, d'abord, à ce soir. Mais ça va être long. Correct, là. Bye. Bonne journée. Ben, ton Martin, je te dis qu'il te lâche pas, hein?
Mon Martin. Papa, la fois, tu me fais rire. Et tiens bien à cœur, donc, ce Jacquemin-là. Faut pas t'habituer comme ça à te mêler de mes affaires. Tu peux pas vivre à ma place. C'est vrai, ça. Je me montre pas mal pesant. Pas pesant, mais un petit peu fouineur. Papa, hein? Je vais en profiter pour te parler. J'ai fait des projets depuis un bout de temps. Des projets d'avenir. Oui. Les entraîneurs de Québec t'ont écrit. Tu le sais bien, c'est toi qui m'as remis la lettre. Mais c'est pas ça. Je pense pas à la Québec. Ah non? Gladys commence l'école l'an prochain, en septembre. Ça, ça veut dire que je vais être ici certain pour cette date-là. Mais d'ici là, avant de me trouver bien attachée ici pour de bon, ben, je voudrais profiter un petit peu de la liberté qui me reste. Suco m'engage, papa. Suco? Oui. On me demande d'aller enseigner encore une fois à l'étranger. Un contrat de 6 mois. Tu dis rien, papa? Voyons, j'ai un emploi, puis ça n'a pas l'air à t'exciter plus qu'il faut. Oh, ben, c'est la surprise, si tu comprends. Mais t'es libre. Tu fais ce que tu veux. Tu comprends? On s'habitue vite, hein? La maison va paraître tellement vide. Non, mais c'est seulement pour 6 mois. Hein? Après, on va être toutes les deux près de toi. Tu vas avoir tes 5 ans sans moi. Papa, faut pas prendre les choses de cette façon-là. D'abord, il n'y a rien de sûr. Je m'excuse, mais je pensais pas que je m'étais autant habitué à vous deux. Je sais, c'est de l'égoïsme, mais... Ben... J'étais tellement sûr que tu t'intéressais pour de vrai aux chevaux. Ça allait te faire une sorte d'avenir. Mais je me suis trompé. Crains pas. Crains pas. Je vais me remettre. Papa? Papa? Il est déjà parti, ton grand-papa. Il fait froid, hein? Très froid. J'ai marché jusqu'à coopérative, mais j'étais pas mal essoufflé. Oh, plus que d'habitude. Peut-être un peu plus, oui. Oh, ben de toute façon, on va voir le cardiologue vendredi. En attendant, ménage-toi. Hé, je regardais ça. T'as été chanceux cette année. Ton nom est sorti le 2e pour la vente du tabac. Non, c'est vrai que ton tabac était bien beau. T'as exigé un bon prix. Ouais, c'est vrai. J'ai dit à Philippe que c'était lui qui me portait chance. Oh. Il a dû être bien heureux. Il a vraiment travaillé et surveillé tout comme un homme. Ah, il faut dire que t'as pas été tellement longtemps sans aller sur la plantation. Quand tout le monde t'a vu de retour sur l'ouvrage, là, ça a bien aidé. Non. Quand le boss est là, tout est bien différent, hein? Le boss. On devrait aller faire un tour à Saint-Hyacinthe. Ben, pas aujourd'hui, voyons. J'ai promis à Élisabeth d'aller l'aider à finir une couverte de laine pour Noël. C'est une couverte qu'elle veut mettre sur le lit à Pépère. Peut-être demain, alors? Tu penses pas que d'aller comme ça à Saint-Hyacinthe en plein milieu de la semaine, ça dérange Philippe dans ses études? Tout de même pas pour tout lâcher pour nous autres. On arriverait pour souper, puis on l'emmènerait au restaurant. On ferait une surprise à notre fils. Je suis tellement content qu'il fasse son cours d'agronomie. Oui. Ben moi, je pense que si on fait ça, là... Il faudrait le prévenir avant d'y aller. Tout à coup, on arrive là-bas puis qu'il est sorti avec des amis. Ben alors, on va l'appeler à soi. Correct, d'abord. Thank you.
C'est si loin, si loin. Toute seule avec la petite. Est-ce que je pourrais? On dirait qu'il n'y a plus rien que Philippe qui l'intéresse. Hein? Tu vois, demain, il va aller le voir là-bas à Saint-Hyacinthe. Pourtant, Philippe est venu en fin de semaine. C'est bien tant mieux, maman, si ces deux-là peuvent se rapprocher. Oui, mais le pire, c'est que Philippe reste bien frette avec lui. Bon, je te dis qu'il n'est pas encourageant pour Ovila. Mais lui, il ne voit pas ça. Depuis que Philippe l'a remplacé au travail et qu'ensuite il a décidé d'aller à Saint-Hyacinthe en agronomie, ton père est prêt à tout lui donner. C'est une bonne chose. Es-tu allé voter? Oui, j'y étais ce matin avec papa. Je suppose que tu as voté pour Laurent. Bien sûr, c'est le meilleur homme pour nous représenter. Nous autres ici, on a voté pour lui. Ma pauvre petite fille. C'est pas un temps bien gai, hein? C'est donc dur à vivre, maman. Je te comprends. Je peux rien pour toi. Puis quand je dis que je te comprends, je le dis avec tout mon cœur, ma fille. Parce que moi aussi, je sais ce que c'est que de perdre l'homme qui a été toute notre vie. C'est vrai. Les Jacquemin, on a passé ces jours-là en se faisant visite, en se tenant ensemble. Hier, la messe que Réal est venue dire avec le curé, c'était bien beau. Oui. C'est un premier anniversaire bien touchant. Bien réussi. Ça m'a fait exactement la même chose. Le même effet que l'enterrement l'an dernier. Vous voyez, c'est passé, puis je me retrouve avec mon pauvre cœur tout vide, tout malade. Je me sens encore si malheureuse. Je me demande ce que je ferais si j'avais pas Jean-François. Mon petit Jean-François. C'est rien, ça, un an. C'est comme si c'était hier. Ou c'est comme si c'était l'éternité. Des fois, il me manque tellement, maman. J'aurais envie de crier à plein poumon. C'est bien comme moi. Il faut que je me retienne pour ne pas l'appeler. Ovila, mon Ovila. Je le vois là, tout près, assis avec les autres. Marchant, parlant. C'est plus rien qu'un fantôme. Mon vrai Ovila, le mien. Il me semble que ça fait bien plus qu'un an qu'il est mort. C'est ma fille. C'est pour ça qu'un temps, je m'étais mise à boire. Je voulais plus sentir qu'il m'abandonnait. Asta, comment c'est que ça va finir pour nous autres? Bien difficile à dire. Pour vous autres, comme pour moi, la vie continue. Mais le plus beau bout est passé. Il est réveillé. Oh. Excuse-moi. Il est réveillé. Un beau dodo? Oui. Oh, cher beau petit bébé. Oh, mais es-tu beau? Oh. Fais un beau dodo? Regarde, oui. Grand-maman. Oh. Je l'ai eu. Ah ouais, plaisant, hein? Tu sais? Allez, Gladys.
On va au dodo maintenant. Oh non, non, non. Toi, tu restes ici bien tranquille, puis Gladys et moi, on va aller mettre notre beau pyjama. Hein, Gladys? On va aller mettre notre beau pyjama. Oh, ben, tu vas être jolie, toi, avec un pyjama à grands manches, puis des petits pieds bleus et jaunes. On se comprend, hein, Gladys? Ça m'étonne pas. Il y a si peu de différence d'âge. Toi, je te jure. Non, je te crois, j'ai quelque chose à te dire. Tu me diras tout à l'heure. C'est quelque chose qui se dit très vite. Gladys et moi, aujourd'hui, on a décidé de plus partir. Oh, c'est pas vrai. On répète ce que tu viens de dire, là. Je peux pas le croire. Non, on part plus. On reste. Oh, bien sûr. Elle t'arrête pas de me surprendre. Hein, tu vois, Gladys, maman a peut-être plus de bon sens que je pensais. Oh. On va peut-être arriver par en faire quelque chose. Hein? À moins qu'elle change encore d'idée. Au contraire, quand je prends une décision, je suis pas changeante. Bonne nuit, ma chouette. Va vite coucher la petite. Tu peux dire, je vais revenir vite. Ça va, ma Véronique? Papa, peux-tu bien me dire où t'étais passé, toi, aujourd'hui? Ta secrétaire m'a donné plusieurs places pour te rejoindre, mais t'étais nulle part. Je voulais te parler des poulains qui sont partis cet après-midi pour Québec. Ah oui, les poulains. Les poulains. Ah, ça a l'air à t'intéresser, c'est fou. La petite est déjà couchée. Mm-hmm. Je vais aller la voir tantôt. C'est quelqu'un qui la met au lit à ma place. Quelqu'un? Papa, ça va pas, hein? Faut que je mette les choses au point tout de suite. Je demande pardon du mal que je t'ai fait ce matin. Arrête de t'en faire pour mon départ. Je reste ici. Hé, pas peur. C'est fait, c'est décidé. Je bouge pas d'ici. Ou si je bouge, ce sera pour aller faire de l'entraînement à Québec. Pendant ce temps-là, tu seras obligé de t'occuper de ta petite fille. Si c'est pas trop te demander. Je veux pas que t'aies fait ça pour moi, là. Hein? Mm-hmm. T'es libre. Hein? J'ai décidé librement aussi. Bon, ben, couchez. Oh, bonsoir. Monsieur. Bonsoir. Ça tombe bien que vous soyez là. Gladys vous demandait. Ah. Je pense qu'elle m'aime bien, mais vous passez encore avant moi. Ah. Chère petite poulette, je vais aller l'embrasser. Est-ce que Véronique vous a dit? Oui. Bon, je vais aller retrouver mon petit tyran. À tantôt, les enfants. Tantôt. À tantôt. J'aurais jamais pensé que mon idée de partir aurait pu leur tourner le dos. Puis moi, là-dedans? Je crois pas ça. Toi aussi. Je me suis habituée à penser comme s'il n'existait rien que Gladys et moi. Puis que le reste... Ben, le reste, c'était juste un à côté. Que ce qui m'arrive dérange personne. Surtout comme si je voulais pas. Je devais pas m'en faire pour personne. Ça, je peux dire que j'ai jamais connu personne qui pense comme toi. Peut-être, oui. Moi, quand j'avais 17 ans, puis que je suis parti un bon soir sans rien dire à personne, je me suis retrouvé tout seul à Montréal avec ma guitare. Non. C'est pas tout à fait ça. Le jour où j'ai compris qu'il faut jamais compter sur personne, c'était un peu comme si j'étais partie sur un grand cheval, en tenant la petite contre moi. Alors aujourd'hui, comme on dit, c'est comme si je descendais de mes grands chevaux, puis je me mettais à regarder les choses bien en face. Et je me rends compte que c'est peut-être pas toujours nécessaire de fuir, chercher ailleurs. Qu'il y a peut-être aussi quelque chose ici, dans ce pays où je suis née. Il y a sûrement quelque chose, Véronique. Quelque chose que j'aimerais tellement essayer de trouver avec toi. Quand j'ai connu mon mari, j'étais tellement sûre d'avoir raison, d'être très forte. Je me disais, ben voilà, c'est ça abolir les tabous. C'est ça mettre à bas la ségrégation, oublier race et couleur. On fait une petite fille, puis on décide de plus jamais se quitter. Mais c'est pas si simple, Martin.
Il y a l'éducation, les habitudes, la famille. Puis il y a aussi, puis ça c'est un gros point, le climat différent. C'est un peu comme si, en rentrant au Québec, dans mon histoire d'amour, un grand froid était passé, s'était bien installé, pour plus jamais s'en aller. Je voudrais que t'aies plus jamais froid, Véronique. Et puis, de tout ce que je t'ai dit, il est tout de même resté une chose. L'amour de la liberté. Alors aujourd'hui, je me rends compte, parce que Gladys a 4 ans, qu'il faut encore une fois que je change ma façon de raisonner. On peut pas traîner une petite fille de 4 ans derrière soi à travers le monde. Et puis il y a également que je me suis rendu compte, pour la première fois, que papa n'a que moi. Parle toujours de Gladys puis de ton père. Puis moi, là-dedans, je compte pas. Tu comptes ben trop, c'est ça qui... C'est ça qui me trouble. C'est ça qui me choque. Tu vois, je pense juste comme toi. Que c'est fini la belle vie où t'as pas de soucis ni des uns ni des autres. Que tu fais ce que tu veux quand tu veux. Mais non, c'est pas fini, Martin. T'es si jeune. Non, je suis plus jeune. Je peux rien de ce que j'étais avant. Je suis juste un pauvre gars qui peut pas voir la vie sans toi. Tu nous as pognés, hein? Je m'excuse, mais la petite aime la dire bonsoir. Oh, bien sûr. Oh, chouette. Je pense qu'on a eu une dure journée, hein, Monsieur Roy? Oui, puis heureusement qu'elle est finie, hein? Jusqu'à la prochaine.